السلام عليكم تو الموند، كي دايرين؟ واش لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير. Peut-être que vous me connaissez déjà ou vous avez déjà regardé l'un de mes anciens vidéos d'enseignement de Darija pour les anglophones. Mais je me présenterai si c'est la première fois que vous me regardez. Mon nom est Fouad. Je suis un professeur d'arabe marocain et d'anglais, mais actuellement, je vis en Corée du Sud. Récemment, de nombreux francophones m'ont demandé de faire des vidéos en français pour aider les expatriés français au Maroc. C'est pour cette raison que j'ai décidé de créer cette chaîne. Je ferai de mon mieux pour vous aider à parler en darija. Tout ce que vous avez à faire est de vous abonner, de poser des questions et de réviser ce que nous faisons. Comme vous le savez déjà, l'arabe standard moderne a 28 lettres, comme vous le regardez sur le tableau. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas apprendre l'ensemble de 28 lettres. On va seulement apprendre 7 lettres et leur son pour être capable de prononcer quelques mots difficiles en darija. Donc, les 7 lettres qu'on va apprendre sont les suivants. Ha, Kha, Sa, Ta, A, Ra, Qa. Maintenant, on va voir les sons un par un. Le son H. On va utiliser le chiffre 7 pour le symboliser. Exemple en darija. Hakam. Un arbitre. Le son H. Comme le mot, ou bien comme dans le mot mojito. On va utiliser KH pour le symboliser. Exemple en darija, Khouya, qui veut dire mon frère. Le son Sa. On va utiliser la lettre S pour le symboliser. Exemple en darija, Saïdaliya, une pharmacie. Le son TA. On va utiliser la lettre T pour le symboliser. L'exemple en darija c'est TIYARA, qui veut dire l'avion. Le son A. On va utiliser le chiffre 3 pour le symboliser. Exemple en darija, Imara, un bâtiment. Le son R est presque comme R en prononciation. En français, c'est comme dans le mot bonjour. On va utiliser GH pour le symboliser. Exemple en darija, Rally, qui veut dire très cher. Et le dernier son, c'est Q. On va utiliser le chiffre 9 pour le symboliser. Exemple en darija, Qarriya, qui veut dire un village. Allez, on récapitule les nouveaux sons que vous avez appris. H, Kh, Sa, Ta, A, R, Q. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé mon cours de darija. N'oubliez pas de commenter, partager et aimer mes vidéos.
Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et ciao fou mon bête.